officiel se repointe, tu l'occupes et tu m'appelles. Ben, justement, j'allais t'appeler. La fille est avec toi? La gonzesse du poste de police? Non, mais écoute, des mecs sont venus. Ils la cherchaient aussi. Il y en a même un qui a commencé à me tirer les cheveux. Et toi, ça va? Ouais. Ils ont reçu un appel. Et ils se sont cassés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. Vous entendez quelque chose, Evans? Devinez qui vient visiter la Cité des Anges. Jesus. Sérieux, il est encore ressuscité? Dites pas de conneries, je parle du fils de Mendoza. Il va vouloir récupérer son fric. Sinon, son fournisseur risque de lui rentrer dans l'art. On dirait que notre piège porte enfin ses fruits. Vous avez des nouvelles de Jess? Silence radio. Et vous? Si on coince Cressus, il nous conduira tout droit au trafiquant d'armes. Alors on oublie Jess. Vous savez bien que c'est pas ce que je veux dire. Si on arrête Cressus, on a l'avantage. Tant qu'on le tient, ils lui feront pas de mal. Et comment vous comptez le trouver, ce Cressus? On informe Aragna qu'on a le pognon du cartel. On sait que ces enfoirés travaillent ensemble. Vous avez un contact? Je connais un type qui fricote avec eux. Un dealer de rue, il s'appelle Flaco. Il crachera le morceau sans problème. Alors on attend quoi, là? Allez, on se bouge! Et salut à tous, c'est Steph et Lara. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du Let's Play sur Call of Juarez The Cartel. Et oui, déjà 8. Tiens, ce coup-ci on a la porte fermée là. On n'a pas accès à l'autre chambre, dis donc. On n'a pas assez payé le loyer. Là voilà, donc nous sommes encore en course hein, pour la suite. C'est génial. Est-ce que aussi tu vas prendre le sniper, je suppose? Tu as eu quelques petits soucis de vol plané avec ton sniper, donc... Mais il porte tes chances. C'est vrai que j'ai fait des sauts et j'ai tendance à... J'avais gagné le saut. J'avais réussi. Et quand je prenais le pistolet, ben malheureusement je réussissais pas. Bon, ma foi. Il me semblait que j'avais... Ah si, voilà, j'ai débloqué le Desert Eagle. Tu as vu là, la tapisserie là est déchirée. Alors attends, je vais prendre le Desert Eagle. Ah ouais. Oh putain, il est gros le Desert Eagle. Truc de malade. C'est le beau Desert Eagle de... Donc moi, voilà. Qu'est-ce que... T'as le snipe avec toi là. Ah, j'ai une nouvelle arme, un P5. Elle est pas mal. Mais elle va se mettre à la place du snipe. Hein. Tu veux pas le prendre toi le snipe? Oui mais bon d'accord. Attends, il est comment? Oui mais non. Bon allez si. Après je sais pas si on en a besoin ou pas. Ouais, je sais pas non plus mais moi bon, si ça peut toujours servir. Hein. De toute façon j'utilise pas mal les pistolets moi donc. Sinon je le prends. Non non mais vas-y, t'aimes bien les mitraillettes toi, je le garde. Je change juste le pistolet. Ok. Je l'aime bien celui du cowboy, je trouve pas trop. Non, les revolvers non, ils sont pas. Bah, c'est, ouais, c'est... il est pas top. Hein. C'est des revolvers, ils sont jolis, mais après, à côté des armes semi-auto. Ça vaut rien. Je te conseille comme arme le S5906. Je sais pas si tu l'as débloqué. Le S5906. Ouais, celui-là c'est un bon pistolet. Bah, c'est celui-là que j'ai pris. Que j'ai dans la main là. C'est celui-là. Ouais, celui que j'ai moi dans la main là. Je sais pas comment tu le vois. Non, oui, attends, c'est celui-là là. C'est le même. Hein. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est ça. Celui-là il est bien. Bien. Bon. J'aime bien celui-là aussi, celui-là là. Makarov. Ouais. Ça fait penser à DayZ. Bon, bref. Alors, es-tu prête? Je suis. Allez, hop. Parti. C'est parti. Cinématique, ce coup-ci. On le saura bientôt. J'aime bien savoir dans quoi je mets les pieds. C'est pas marrant s'il n'y a pas de risque. On connaît la disposition des lieux, au moins. Ah, c'est le trou à rats classique.
Une petite cuisine sordide à gauche et une salle de bain dégueu à droite. Putain, il faut toujours que vous la rameniez, vous, hein? Oh, excusez-moi d'avoir de la personnalité, hein. Bon, on fait comment alors? Regardez-moi ça. Une vraie pro, cette fille. On défonce leur putain de porte et on leur passe le bonjour. Voilà, ouais, comme les flics devraient faire. Non, je plaisante, hein, pas quand même, hein. Mais nous, on n'est pas des policiers. On est des super policiers. Et dans super policiers, il y a super. Judicier de la justice. Justicier de la justice. Ouais, c'est normal. Ah oui, judicier. C'est normal si on est des justiciers. Non, c'est normal que... Oh, t'as vu comment il court avec son portable à la main, lui? Il est bourré, lui. C'est trop bien. Regardez, il a son portable à la main. Il était collé contre la porte. Allez voir le mec, là. Il est bourré. Il avait une bière. Ça? Ah ouais. Petite pièce pour un héros de guerre. Non merci, non, ça ira. Allez hop, on monte à l'étage. Hop, merde, si je rate l'escalier moi. Alors, j'attends mon partenaire pour continuer. Oh. Attention. Scène haute. On voit des nibards. FBI. N'oublie pas de mettre en HD. Non, je déconne. La fête est finie, ma petite dame. Oh, les couteaux de porte! Merde! Tirez pas! Tu sais que la curiosité est un vilain défaut, pétasse. Comment il l'a traité? Tu fous, Eddie? Putain, tu m'as foutu les boules, mec! Putain, il est tout maigre, celui-là. Pas facile de passer pour un dur avec la queue à l'air. Qu'est-ce que tu regardes, la poupée? Ça te fait rêver? À mon avis, la cible est très drôle. Vous voulez quelque chose? Vous êtes juste là pour me péter les couilles. On veut que tu contactes Aranya. Et pourquoi je ferais ça? Pour dire à ces connards que c'est nous qui avons le blé du cartel et qu'on aimerait rencontrer Jesus. Quoi? Faut arrêter de te branler, ça rend sourd. Fais pas attention. Ben vient de perdre une poulette, il a un petit peu de mal à s'en remettre. Je crois qu'il est pas le seul. Maintenant écoute, tu les connais bien. Dis-leur qu'on veut négocier. Je sais pas, Eddie, ils sont plutôt vénères ces derniers temps. Tu vas leur redonner le sourire, monter dans leur estime et te faire un peu de thune. Je crois que Flaco a les jetons. Non, pas lui. Qui, moi, les jetons? Alors, passe ce putain de coup de fil. Allez, mon pote, fais-nous plaisir. Et on n'est pas des flics, hein. Même si mon collègue, il a une grosse plaque de US Marshall sur le tour du cou. Hey, salut, mec, c'est Flaco. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser, mon pote. Je connais un flic là qui prétend détenir le PES du cartel. Si. Ouais, c'est ce qu'il dit, mec. Ils veulent négocier. Ok, à plus. Et ils ont mordu? Ils vont rappeler. Alors faut qu'on soit prêt. Pour ta propre sécurité, on va te mettre sur écoute. Vous voulez que je porte un micro? C'est uniquement pour te protéger. Choisis un mot de passe. Si les choses dégénèrent, on le saura. Peut-être même qu'on pourra te sauver les miches. Puta, ça va comme mot de passe? Super. On te laisse ici. T'en fais pas, mon pote. On te couvre. Putain! Ça, c'est un mot de passe qui pourrait lui retomber dessus, ça. Ouais, voilà. Allez, hop. Vous êtes sûr qu'ils ne vous mettent pas en bateau? C'est ce qu'ils pensent. Une petite pièce pour un héros de guerre. Non, non, toujours pas. Allez, on y va. En voiture. On a changé de couleur de voiture, dis donc. On en a une rouge. Je sais pas à qui on les achète, ces voitures, mais... C'est moi qui conduis. Non, je sais même pas si je peux conduire. Même pas. Là, c'est même pas moi qui conduis. Là. Branche-toi sur ce blaireau. Voyons si ça mord. Ah, il est nerveux. Vous l'avez effrayé, cette fille. C'est un trouillard né. Putain, ils vont vite, hein. Il a à peine. Il a à peine appelé, de suite, ils sont là. On y va. Non, non, attendez. Il a dit putain. Il essaie de se débiner, c'est tout. Que t'es une taupe. C'est des conneries, mec, et tu le sais. Spoulet m'a dit qu'il voulait rencontrer un type, un certain Jesus. Hiro de putain. Merde. Restez ici, Evans. Il faut qu'on prévienne Jesus tout de suite, mec. Il va pas être content.
Ils vont nous conduire directement à lui. Eddie, vous êtes une enflure. Et je savais pas qu'ils allaient le descendre, ce petit enfoiré. Ça s'appelle des dommages collatéraux, agent Evans. Eh ouais. On est des méchants flics. Oh. Ah si, c'est moi qui conduis. Oh cool. Ah, il faut les suivre, merde. Alors il faut... Et moi, je joue à l'arrière. Voilà. T'es joli sans lunettes, je te l'ai déjà dit. N'empêche qu'on est responsable. Il faut pas lui coller au train, je suppose. Au moins, il sera pas mort pour rien, pas vrai. À distance. T'es trop près. Ouais, bon, ça va, merci. Repéré. Ah. Ben, c'est Daniel. Qu'est-ce qui m'a pas mon indique préféré? On a un problème avec Kanita. Elle passait des enfêtes à la frontière pour Guardo et elle en a pris. Maintenant, elle est devenue parano et elle ose plus refiler la cam. Où est-elle? Au bar de l'Eldorado. Tu sais à quoi elle ressemble? Oula, grande, c'est en train. Je crois qu'elle porte une robe rouge. Elle a la cam sur elle. Fais ça et je te le revaudrai, Ben. Bah ça va, je suis à côté là-haut. Vas-y, calme-toi. Ça fait pas du tout flag, hein. Moi, je serais le mec devant. Ça fait 2 ans et demi que j'aurais dit, putain, il y a un mec qui me suit, quoi. Je vais voir ce que je peux trouver. Un plan cul? Allez, je pense pas. Ce club va être bourré à craquer. Alors, rengainez les flingues. Il manquerait plus qu'on refroidisse d'autres civils. C'était qui? Vous connaissez pas. On devrait peut-être attendre que Ressus nous conduise au trafiquant d'armes. Et s'il y va pas? Quand il va s'apercevoir qu'on le suit, c'est sûr. Alors il faut les choper avant qu'ils le fassent. Allons-y. Et on vient par là. Cool. Qu'est-ce que t'as dit? Là, tu m'as suivi? Oui, oui. C'est ma rue. Tu veux la traverser? C'est 5 dollars. On va te faire foutre. Tu fais la technique de la, du tourne autour de l'ennemi. Pour le rendre fou. Et ça marche. Eh oui. Merde. J'ai cru qu'ils allaient jamais s'arrêter. Je suis un boxeur professionnel, moi. Oula. Rien du tout. On oublie. C'est rien. Je sais pas, il y a une espèce de petit bug. On aurait dit qu'il avait fait un vol plané. Ouais, on est en boîte. Encore? C'est cool. Ah, oh, c'est une boîte différente. Ces branleurs commencent vraiment à me les briser. Regardez, y'a rien, hein. Hop, hop, hop. Par là qu'il faut y aller. Ouais, ouais. Wouah, la boîte de fou! Excusez-moi, pardon, pardon, pardon. Putain, mais qu'est-ce que tu veux voir là-dedans, là? Il fait trop nuit ici. Aïe, connard. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Vous cherchez quoi? Il faut passer par là. Moi j'ai réussi, hein. T'es pas venu? Si, si, je suis là. Texas Ranger. Oh, salut, Blett. Ah ouais, ouh, bonjour. On peut venir? On peut pas rentrer, on peut pas. C'est dommage. Et oh. Ça aurait été rigolo. Oh. Non mais dis donc. Mais 18+. On va mettre 18+ sur la vidéo. Ce contenu peut choquer. On voit des nibards. Des fesses. Et des fesses. Et tout plein de trucs aussi. Oh,
Alors là, on est dans la loge VIP. Avec le monsieur, je me la pète en... avec mes lunettes de soleil. Lui est le boss. Ouais, ça se voit. Hey, tu dois être le poulet de Flaco. Il nous a parlé de trois personnes. Mais il nous avait pas dit que la poulette avait un si joli petit cul. Sexy. Mais gourmand en entretien. On veut parler à Jesus. Jesus? Vous voulez parler à Jesus? Ça peut se faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous agenouiller, de joindre les mains et de prier. C'est rigolo. Hein? Oui, c'était facile à faire ça comme blague. Hein? Tu veux te battre? Vous êtes prêt à rencontrer le créateur? Tu vas te descendre. C'était une bonne réponse, par contre on va sûrement ça. Par contre quand on s'est retrouvé téléporté de manière rapide. Ça... C'est pas ce que vous croyez. Ça va être dur quand même, ça va être pas. Il n'en est pas question. Vous voulez qu'on laisse ce piste plutôt maléfique. Ah on va tester le Eagle. Bien sûr que si. Ouais, il est plutôt puissant le Eagle. J'aime bien le MP5. Ah, t'as vu, il est pas mal, hein? Ouais, franchement, ouais. Oh, j'ai fait. Quoi? Oh là. Oh putain, fais gaffe parce que de l'autre côté là-haut ils sont costauds là. Fais gaffe, en face là-bas ils sont costauds. Et alors, j'ai une arme. Chopez-le, qui ça? Ouais, me poussez pas là-haut. Mais... Restez caché. Allez, putain, mec, le désert rigole. Attention, préparation. Merde, j'ai oublié de recharger avec cette balle. Oh. Allez, go. Partez. C'est méchant, ça? Oui. Je sais pas. Aussi. Vous ratez pas souvent. C'est qui que j'ai raté? Il y en a un là-bas que j'ai raté. Ah non. Ah ça va, j'ai pas tué de. Faites ça encore une fois et je m'occupe de vous. Je fais juste. Merde. Putain, ils sont casse-couilles hein. Mettez-vous en sécurité, merde. Ils chopaient jamais là hier. D'accord. Oh bon Dieu, code 3, on se fait tirer dessus. Au carrefour de Soto et Alvarado. Je répète, officier en danger, demande de renfort. Bon sang, il est parti dans le couloir. T'es où? T'es parti où? Je suis caché, faut que tu me suives. Mais non, mais il faut que tu viennes là. Oh, on n'a pas que ça à faire là. Oui, mais non, j'ai un truc à faire. On a des gens à tuer. Ah, d'accord, t'as chopé des trucs en cachette. Ah, pourquoi j'ai pas le désir gueule? C'est bon, tu es prête? Il y a encore une porte ralentie. Chef, vite! On se dépêche! Allez! Go, 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 go! Vite parce que là en fait je suis bloqué là, je t'attends là. Bon qu'est-ce que tu fais là? Une fois que tu auras fait le tour de tous les salons. Et je sais pas, il y en a qui restait bloqué. Bon, je m'en vais. Il faut que je le fasse en fait. Bon, un pied. Ah, c'est Eddie qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous foutez quoi? Je vous donnerai le signal. Oui, donne-moi le signal. Prêt?
Prêt ? Maintenant ! Oula, 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 oula. C'est l'heure de se faire ces enculés. Putain, quelle merde, je crois que j'ai tué des civils en passant. Oh, non. Ah non, je crois pas. Ah non, non, non. Oh là là. Fais gaffe, y'en a un au niveau du bar. Oh là, ça va être dur. Hein. Ah, je suis mort. Putain, merde, je suis bloqué. Attends, je me mets à couvert là. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah t'es... Merde. Ah, j'ai cru que j'étais en train de te relever, mais en fait non. En fait, je me suis fait tuer. Bon. Ça va être dur, hein, je pense. Dans le noir, on voit rien. Ouais. Bon, allez. On est où là? Attendez mon signal. Tenez-vous prêt. Merde, j'ai pas pris le bon pistolet, bon, c'est pas grave. Allez, bougez-vous. Allez, boum. Casse la porte. Y a un monsieur qui est devant entre moi et le méchant là. Bon, c'est bon. En fait, t'as tué tout le monde, je crois. Il faut se mettre derrière les murs là. Mais ah, t'es où? T'es là. Putain, mais je lui tire dessus, ça le touche pas quoi. Je crois que je l'ai eu. Personne derrière la barre. Bah, il faut aller voir là. Là, il va y avoir gunfight. Ah merde, là-haut. On a tout cassé. C'est ok. Merde. Oui, 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 mais parce que. J'ai fait un mauvais choix. Ouais, oula. Mauvais moment. Inside. Voilà, qu'est-ce que c'est? Hélicoptère. Ah non, c'est la police. Comment ils savent que c'est nous les gentils? Ouais, genre qu'ils vont. J'aime bien, ils disent ça et en même temps ils leur tirent dessus, tu sais. C'est le truc super crédible. Quoi. Bon, y'a la police qui me dit ça, les mains sur la tête au sol et en même temps ils me tirent dessus avec de l'hélico. Ils m'auraient pas envie de me rendre. Hein. Mais vous avez tué tout le monde! Faut prendre la caisse? Oula! Ok, quoi? Elle est là-bas apparemment. Bon, pourquoi on pouvait rentrer dans la voiture? Gaffe parce que. Ah, mais je suis bête moi. Je suis un sniper. Enfin, peut-être que je l'utilise. Ah putain, je vise mal. Vous l'avez eu cette salope. Vous savez, vous pouvez aussi nous en laisser. Ne laissez pas sortir. Baissez-vous. Wow, 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 wow. Me fait tirer dessus là. Je crois qu'il y en a un deuxième derrière la rouge au fond là-bas, non? Ah. Bordel. Tout droit. J'arrive. Ah, c'est bon. Mais ça, ça va, ça va. Ouais. Ah, j'ai cru que t'étais morte. C'est toi qui tire?
Je tire sur la voiture là où il y a les ennemis. Bon bah c'est bon, ils sont tous morts. Oh putain! Ah, j'ai bien fait de prendre ce slime finalement. Je sais pas si je l'ai touché. D'accord, les mecs ils visent super bien en laissant que les mains comme ça et en tirant à l'aveugle. Putain, ils visent aussi bien que. Putain, c'est même pas possible ça. Ils visent super bien alors qu'ils regardent même pas ce qu'ils font quoi. Oh. C'était quoi ça? Oh pardon, excusez-moi. Oh là là, c'était le rototo du soir. Pas qu'on est dans une vidéo, merde. C'est ballot ça. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est enregistré. Désolé. Et diffusé sur la toile. Oh non, ici. Rapprochez-vous. Quoi, 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 quoi? Où ça, rapprochez-vous? Montez à la voiture là-bas, 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 là-bas. Voiture. Allez. C'est vrai, mais je croyais que. Allez, go, 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 go. Je me suis même pas rendu compte. Désolé, les gens, désolé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Vas-y, sors, tire. Tire, je tue. Je conduis. Wow. Tire. Oui, je vise. Vas-y, vise, tire. Voilà, je vois plus rien, c'est tout flou. Putain, ils sont combien dans la voiture? Oh là! Aïe, ça fait mal. Je sais pourquoi je peux pas tirer. C'est dommage. Ils sont combien dans la voiture là? Oula! Voilà. Ah, monsieur qui me vise. Ah, j'aime pas ça. Camion. Ah! On va essayer d'avoir. Ah, le con. Oh putain. Il s'est arrêté d'un coup là. Et je l'ai rentré dans le derrière. Chopons-le pendant qu'il respire encore. Aïe. Et on s'est fait chier autant pour à cause de pour ça là. Alors, qui c'est qui prie maintenant? Ah, c'est lui, Ressus? Ouais. Je l'ai pas reconnu. Ouais, tu sais, mais je sais plus. On l'a vu quand, lui? On l'a déjà vu, ce mec-là? Ben oui, on l'a vu au début. Ben, vers le pub. Le pub. Ben, la boîte. Ah, je me souvenais plus, Léon. Je me souvenais plus qu'on l'avait vu, ce mec-là. J'en sais rien. Tu sais, mon pote, la mort par pendaison, c'est pas la fête. On se débat, on s'agite, on se pisse dessus, on cherche de l'air. Je te l'ai dit. Écoute bien, sac à merde. Soit on trouve la fille, soit je te jure que t'y passes. Oh, oh. J'encourage notre ami Ressus à vider son sac. De quoi? T'essayes de me dire un truc? C'est en train de le tuer. J'y peux rien, ma belle. C'est les lois de la pesanteur. McCall! Kera, faites quelque chose! Desserrez le nœud. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Posez-moi des questions sur ce que je sais. D'accord. Je veux le nom de votre taupe au ministère de la Justice. Je sais pas. Je vous dis la vérité. Qui est-ce qui vous vend votre armement militaire? Peacekeepers International. Putain de merde! La société militaire privée? C'est pas eux qui ont restauré un hôpital pour enfants en Irak? Avant de perdre leur contrat avec le Pentagone et de manquer de faire faillite. A priori... Ils se sont trouvés de nouveaux clients. Qui est votre contact sur place? Michael Duke. Le PDG? J'ai rendez-vous avec lui demain. Vous vous êtes déjà rencontré? Non, personne ne me connaît ici. Mon père voulait quelqu'un de discret pour conclure le marché. C'est qui? Accouche. Tony Alvarez. Il travaille pour mon père. Demande-lui s'il sait où se trouve la fille.
Jesus, hey, pourquoi tu décroches pas? Je suis occupé. Occupé? À foutre le camp d'ici. J'ai failli me faire tuer, putain. Putain de merde, tu les as semés? T'es où? Je t'envoie quelqu'un. Non, je suis en sécurité maintenant. T'es sûr que tout va bien? Je viens de te le dire. Au fait, j'ai appris que c'est toi qui as la fille. Qui t'a dit ça? C'est un de ces branleurs d'Aranya. Ah, t'occupe pas de cette balance. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot demain. Entendu. Et si on veut la récupérer, il va falloir trouver de quoi négocier. On n'en sait pas plus. Décrochez-le. C'est lui qui doit la voir, mais on sait pas où. Écoute-moi bien, Jesus. On va aller parler à Monsieur Duke. Eddie va se faire passer pour toi pendant que tu seras solidement attaché là où personne risque de te trouver. Crois-moi, t'as intérêt à ce que tout se passe bien pour nous. Entre nous, c'est à la vie et à la mort, mon pote. Oula. Et voilà. Oh, j'ai débloqué la M60. Je vais pouvoir faire mon Rambo. Bon. Eh bien, c'était bien. Oui. J'ai bien aimé, oui. Bon, c'était sympa. Eh bien, alors, c'est tout pour cet épisode-là. Hein. On vous dit merci de nous avoir regardé, merci de commenter, de partager, de soutenir, de partager si vous voulez, de nous soutenir, de vous abonner si ça vous plaît et de liker. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Ciao. Ciao.